Bonjour, bonjour à la communauté, j'espère que tout le monde se porte bien. On a tous suivi le discours de Paul Biya à la nation comme d'habitude. Les mêmes phases, les mêmes choses, les mêmes paroles depuis 40 ans. Et déjà, tu te poses la question, mais c'est la même personne qui avait de la peine à parler l'autre jour aux Nations Unies ou bien c'est une autre personne? Trop de technologie, tout ce qui va avec pour embrouiller le peuple. Après ça, une autre question te vient en tête, en esprit, mais le monsieur s'y parle étant même que où? Il est aux États-Unis, il est en Suisse ou bien il a étudié? Trop de questions. En fait, je pense qu'il y a des gens qui deviennent chefs pour eux-mêmes et leur famille, pas pour le peuple, parce que quelqu'un qui ne rend pas compte n'est pas appelé à devenir un leader, un chef. Un chef doit rendre compte. Ce n'est pas le cas avec monsieur Biya. Donc, parlons de son discours à la 24e minute. Monsieur Biya parle de corruption. Et là alors, tu peux rire pour 2 jours. Monsieur Biya parle de corruption. Quelqu'un qui a tous les moyens de l'État pour éradiquer un fléau. Mais il parle de ça. Et ça a trop duré. Donc depuis 40 ans, Monsieur Biya combat la corruption. Ah bon? Dans un pays où les fonctionnaires sont les plus riches, il dit condamner la corruption. Combattre la corruption, autant pour moi. Parlons de l'article 6 sur la limite des mandats. Monsieur Biya, en 2008-2009, a utilisé tous les moyens de l'État, la police, gendarmerie, armée, et son obésité à l'Assemblée nationale. Et les Camerounais en ont payé de leur vie pour faire lever l'article 6 qui limitait le nombre de mandats pour qu'ils se présentent jusqu'à nos jours sans partage. Et il vient nous parler de la corruption. Dites-moi un peu, monsieur Biya, qu'est-ce qui vous empêche de faire appliquer l'article 66 de notre Constitution, la déclaration de biens? L'article 66 va empêcher les gens de voler. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque rien n'empêche un fonctionnaire de voler parce qu'il peut se bâtir les mansions, les châteaux, les immeubles comme il veut. Et personne ne peut lui poser une question ou lui demander où sort cet argent. C'est clair. C'est clair. Donc je pense que c'est vous le problème, monsieur Biya. Vous n'avez pas la volonté d'éradiquer la corruption. Parce que si ça vous tenait vraiment à cœur, vous devez réagir, vous devez vous comporter de la sorte quand vous avez sauté l'article 6 sur la limite de mandat. Je pense que le problème de corruption, c'est de votre volonté que ça aille pareil, que ça demeure comme ça. Parce que vous-même, ça vous profite. Ça vous profite. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la page Banga Diaspora officielle, à mon compte TikTok Banga Diaspora et à ma chaîne YouTube Banga Diaspora. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce, je vous conseille ce produit-ci. On a le stock en France, Allemagne, États-Unis, Belgique, Italie. Superlove, c'est un best-seller, un produit qui nous vient de l'Asie du Sud-Est, sans effet secondaire. Très bon produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Pour tous ceux qui souffrent de surpoids, nous avons Lily Slim. Ça te fait perdre 20 kilos en 1 mois, 2 semaines. C'est un produit bio, naturel, qui nous vient aussi de l'Asie du Sud-Est. On a le stock en France. C'est un coup fin. Ça réduit la panse. Avec le temps, vous ne mangez plus assez. Sans effet secondaire. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres, prends-le. Ça va te faire du bien. Si tu souffres d'apparition de calvitie, chute de cheveux, et tu veux beaucoup de barbe, voilà, je te conseille ce produit-ci. On a le stock rien qu'au Cameroun. Si tu souffres de problèmes de goutte, c'est-à-dire l'acide urique, je te demande de prendre ce produit-ci-là. C'est des produits bio, quelle que soit la pathologie dont tu souffres. On a le stock rien qu'en France et au Cameroun. Si tu as quelqu'un qui monte dans le pays où tu te trouves, entre en contact avec moi au 6 83 40 97 55 ou à l'autre mon numéro WhatsApp d'Indonésie plus 62 812 125 244 98.
Je vous remercie.